soir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sphère. Francis Ngannou s'est imposé en 71 secondes top chrono face à Junior Dos Santos. Une nouvelle fois, les bons pronos ont frappé. Voilà, ouais. C'est superbe. Et donc là, qui est vraisemblablement, c'était le numéro 2 de la catégorie. Donc Francis contre le numéro 3, le Brésilien ex-champion. Donc là, Francis qui est aux portes du title shot. On en parlera juste après l'analyse du combat, donc qui a été assez rapide, de ce pauvre Dos Santos qui là, voilà, une nouvelle fois et... encaisse un KO assez violent, même si Polidomso va vous le dire, hein, on a clairement vu qu'il avait lâché un moment durant le combat mentalement. Ouais, après, c'est on peut passer des heures à analyser un combat qui a duré que 71 secondes. Ça peut paraître un peu vain comme exercice parce que le combat est assez court, mais il s'est quand même passé, on peut le séquencer en plusieurs phases. Et donc, il y a eu une phase d'approche où j'ai beaucoup apprécié le fait que Ngannou renoue avec son kicking game parce qu'il avait oublié de... Enfin, c'est une arme qu'il avait un peu délaissée, qu'il avait utilisée dans ses premiers combats à l'UFC et qu'il avait un peu abandonné au profit de sa boxe et de ses déplacements. Le revoir réutiliser les low kicks, ça présage de bonnes choses à l'avenir parce que comme il a un jeu qui est sur le contre, utiliser les low kicks, ça peut forcer l'adversaire à déclencher. Et donc, c'est un outil de plus pour amener ton ennemi à jouer ton jeu quelque part. Et en plus de ça, je te laisse continuer juste après, mais c'est cool parce qu'il l'a vraiment utilisé de la parfaite manière, c'est-à-dire qu'il l'a dit après le combat, il savait que Junior Dos Santos allait être très mobile et il savait qu'il allait être très mobile pendant les 5 rounds, si ça durait 5 rounds. Et en gros, ce qu'a dit Francis, c'est la meilleure manière de, premièrement, fixer un adversaire, tu l'avais déjà dit pour ça avec Doumbé au dernier podcast, Polidomso, la meilleure manière de fixer un adversaire, de l'empêcher d'être mobile et en plus de ça, de lui saper petit à petit, ses volontés de faire un petit peu l'abeille pendant tout le combat, c'est quand même de lui décocher des low kicks de bûcheron. Donc, c'est parfait qu'il ait renoué avec ça. Sur ce combat contre Dos Santos, c'était vraiment parfaitement, c'était parfaitement judicieux. En fait. Ouais. Il s'en est quand même pris deux assez violents. Hein. Oui, vas-y, Polidomso. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est pas mal qu'il ait renoué avec cette phase-là du game. Il a toutefois montré que c'était une de ses faiblesses aussi. À Ngannou, ça s'était vu notamment dans son combat contre Stipe Miocic. Je crois que tous les low kicks de Stipe Miocic étaient passés. Sauf que Stipe Miocic, il ne tape pas vraiment fort sur ses low kicks. Il n'engage pas vraiment la hanche. C'est juste un outil pour harceler l'adversaire et pour ensuite installer sa boxe. Junior Dos Santos, c'est quand même un gros kicker. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier parce qu'il a des bonnes mains. Mais depuis quelques combats, Dos Santos, il a bien développé son jeu de jambes. Donc, c'est vrai qu'il a subi sur les low kicks. Mais après, finalement, c'est pas vraiment rentré en jeu, puisque, mine de rien, Junior Dos Santos, il n'a pas vraiment exploité ça. C'est-à-dire il a fait deux low kicks, mais après, il a voulu retourner à son jeu de base, qui est le jeu de la boxe. Oui, à chaque fois, il n'y a pas eu de conséquences comme tu dis. Le premier, il va au sol, et le deuxième, qui est certes puissant, Dos Santos, il s'en prend deux debout. Donc, Non, voilà, c'est ça. C'est qu'il n'a pas su. En fait, le problème de Dos Santos avec ses coups de pied, c'est qu'il les utilise en soi. Il les utilise pas en finition d'un enchaînement de points ou pour installer justement un enchaînement de points comme ce qu'essayait de faire Ngannou pendant le combat. C'est vraiment une arme en elle-même. Après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé surtout de Ngannou, c'est que moi, je disais en amont du combat qu'il fallait qu'il rentre dans le tas parce que c'est simple à faire, en fait. Ça demande pas beaucoup d'intelligence et tu peux foncer dans le tas. Il suffit juste d'y aller, quoi, de se jeter. Mais il a fait mieux. Il a fait beaucoup mieux. Il a avancé patiemment. Il a enfermé patiemment Dos Santos contre la cage en lançant des petits jabs comme ça. C'était pas vraiment pour toucher Dos Santos, mais c'était vraiment pour l'enfermer. Ouais. Et le premier coup sur lequel il touche Dos Santos, c'est parce qu'il anticipe que Dos Santos essaie de sortir et il frappe exactement là où Dos Santos va sortir. Donc c'est mieux, c'est encore mieux. Enfin, il a excédé mes attentes quelque part, Ngannou, sur ce combat. Et à partir de ce coup où il touche vraiment nettement Junior Dos Santos, après Junior Dos Santos, il n'a plus son sang-froid. Ouais, il est un peu dans la panique, si j'ose dire. Et quand il essaye de placer son fameux coup gagnant, hein, c'est le coup de Dos Santos, hein, le jab au corps et l'over right hand derrière, il ne le fait pas avec autant d'assurance que d'habitude et il se jette littéralement sur son cou. Et il s'est jeté de tout son poing en se disant « il faut vraiment que je le touche parce qu'il fait trop mal et il faut que je lui fasse peur aussi ». Sauf qu'il a raté son coup. Et il aurait pu réussir, hein, mais il a raté son coup. Et là, c'était fini parce que
Il était complètement déséquilibré. Il s'est pris un coup en contre, un peu comme ce que s'était pris Arlovski. Arlovski contre Ngannou avait paniqué aussi, il avait déclenché son action trop tôt et s'était engagé un peu trop lourdement sur son bras arrière et s'était fait toucher en uppercut. Et Junior Dos Santos est un peu plus résistant qu'Arlovski, donc il s'est pris le coup et s'est dit « bon, là, il faut que je me barre ». Et c'est jamais une bonne idée de se barrer dos à un mec qui a une allonge comme Ngannou. Dos Predator. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que, en fait, c'est marrant, ça m'a rappelé, j'ai vu un peu, c'est comme Gran Turismo 4, tu sais, quand tu dois faire exactement comme la voiture Shadow qu'il y a devant toi. En gros, là, il y a eu ce qu'a fait Junior Dos Santos, c'est il a mis son over and right et en fait, il a avancé en même temps sa jambe droite. C'est-à-dire que théoriquement, ça peut être trop stylé. C'est-à-dire que si la personne en face recule, le fait que tu lances ton over and right en même temps, tu avances ta jambe droite, donc en fait, tu marches presque en même temps que tu mets ton coup. Après, tu peux réemballer et la personne qui l'a fait parfaitement récemment, c'est Petr Yan dans son combat contre je ne sais plus qui. Il a fait exactement la même que Dos Santos, sauf qu'après, il a remisé avec un deuxième crochet du gauche et il l'a touché parce que la personne reculait. Et le problème, c'est contre Rivera, non ? C'était contre Rivera, ouais. Voilà. Et là, le problème, c'est qu'en fait, bah, ça marche quand tu as réussi, et c'est exactement ce que disait Polydobson, en fait, tu as déjà commencé à établir ta boxe, tu as commencé à voir les réactions de l'adversaire. Petrian avait vu que Rivera reculait d'une certaine manière, donc il s'est dit, ok, je peux avancer avec mon truc, avec mes shifts, et y aller. Le problème, c'est que là, en fait, je suis d'accord avec Polydobson, je pense qu'il a dû avoir un gros, gros coup de chaud à un moment donné, parce qu'il s'est dit, putain, là, vu ce que je viens de me prendre, je pourrais pas en prendre deux, donc. Il n'a pas dû réfléchir suffisamment. Il l'a dit lui-même, il n'a pas été selon un game plan intelligent. Il a juste foncé. Il n'avait même pas d'idée derrière la tête de quoi faire une fois qu'il aurait balancé son over and right si jamais Francis ne reculait pas, en fait. C'est comme s'il n'avait même pas imaginé que Francis ne reculerait pas. Et non seulement il n'a pas reculé, mais Francis a fait un truc, mais c'est exceptionnel aussi. Il a fait juste, boum, retirer le buste. Il a déjà mis un énorme crochet en contre du gauche qui a touché un petit peu et ça a dû déséquilibrer parce que je crois qu'il a mis derrière l'oreille Dos Santos. Et après, effectivement, je pense qu'il était perdu complètement Dos Santos et là, c'était terminé. Mais c'est vrai que voilà, tout ça pour dire que je rejoins Polydobson. Tout indique quand même qu'il a vraiment, il a eu peut-être un coup de panique qui a fait qu'il a pris une décision à la va-vite. Et il a fait un geste étonnant, quoi. Mais là où ça se voit, c'est que vous pouvez re-regarder, hein, ça dure une 71 secondes, donc c'est ça l'avantage de ce combat, c'est qu'on peut, c'est vite fait de l'analyser, c'est vite fait de le re-regarder, c'est qu'il y a vraiment un avant-après le premier coup qu'il prend quand il est dos à la cage, parce qu'au début, il est relativement confiant, Junior Dos Santos, et il feinte beaucoup, par exemple, et notamment Ngannou déclenche des crochets en contre, ils sont complètement à la rue. Ouais. Il déclenche un crochet, bon, bah, Dos Santos n'est pas là, mais ça, c'est le jeu de Dos Santos, vraiment. Ouais. Et à partir du moment où il a été touché, il a oublié vraiment ça. Sa feinte de jab au corps, il n'avait pas fait de jab au corps avant. Tout le jeu de faire des jabs au corps, c'est d'en installer 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce que l'adversaire commence à se dire, bon, ça fait chier de prendre des jabs au corps, donc il faut que je protège et tu baisses ta garde. Il n'en avait pas fait depuis le début du combat. Et en fait, c'est un truc que, pour tous ceux qui ont fait un peu de combat et un peu de sparring, quand on commence à prendre des coups vraiment difficiles, durs, et qu'on commence à être limité dans les solutions qu'on trouve ou qu'on trouve pas plutôt, et ben on se repose sur nos coups gagnants, les trucs qu'on fait le mieux. Et clairement, ce qu'a fait Junior Dos Santos, c'est son coup, quoi. C'est son coup signature, le jab au corps. A-maker. C'est vraiment ça. Sauf que ça marche dans le jeu de Junior Dos Santos d'habitude parce qu'il a installé tout un truc qui fait que ça passe. Là, c'était en début de combat. Ngannou, il avait encore de très bons mouvements. Donc effectivement un simple retrait du buste et c'était dans le vent et donc voilà, c'est, on sent vraiment que ce qui n'enlève absolument rien à Ngannou, parce que tout le processus où il a passé son premier coup, pour moi c'est très très bien, même si on le voit pas, même si la plupart des gens vont pas se rendre compte de ce que ça implique comme effort de cadrer un adversaire, de pas se jeter, justement d'être patient et d'attendre le bon moment pour le timer. C'est excellent. Et en fait, c'est ça qu'il faut avec Ngannou, c'est que mine de rien, même si les combats sont courts et qu'on pourrait se dire il a peut-être pas, il passe pas suffisamment de temps dans l'octogone, il va peut-être pas progresser, moi je note qu'au niveau de la technique quand même il progresse, hein, quand même, de combat en combat, parce que ça, ce genre de jeu de patience, par exemple il l'avait pas contre Stipe Miocic, il s'était rué à l'action, et s'il arrive à avoir le sang-froid comme ça contre tous ses adversaires et à mettre la pression et à forcer l'adversaire à réagir pour qu'ensuite il installe sa boxe, ça va être très 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 compliqué de le battre. Ça, c'est sûr. Et ça va être d'autant plus compliqué de le battre que c'est un jeu
Là, tu mentionnais Miocic. Bah, ok, contre Miocic, premier combat, il est rentré dans le tas. Bon, comme contre Miocic, il faut peut-être pas faire. En revanche, Complètement. là, contre n'importe quel lutteur, s'il combat de cette manière, Ouais. franchement, on est pas mal, hein, parce que c'est, il reste à une certaine distance, il jauge parfaitement, et de toute façon, il n'a pas besoin de se ruer sur quoi que ce soit parce qu'il te touche avec 10 cm de jeu. De toute façon, tu es dans les pommes. Donc, c'est cool qu'ils sont en train de perfectionner, ok, ces 71 secondes, qu'ils sont en train de perfectionner aussi cette manière d'approcher un combat. Parce que si en plus le prédateur est vraiment capable de stalker sa proie de cette manière aussi patiemment et aussi efficacement, ben, là, non seulement il était flippant, mais là, il est flippant plus, quoi. Oui, surtout s'il arrive à se discipliner, parce que là, donc la suite, c'est quoi? C'est le mi-août prochain, donc il y a l'UFC 241, Miocic versus Cormier 2. Bah, soit c'est contre, vraisemblablement, si DC ne prend pas sa retraite et qu'il l'emporte, donc c'est Cormier versus Ngannou. Ou alors il y a la revanche que pas mal de gens veulent entre Miocic et Francis. Ce qui serait intéressant, c'est de voir enfin Francis qui respecte le game plan face à Miocic, parce que c'est tout le problème qu'il avait eu, c'est il avait absolument cherché à le. Bah, finir Miocic dès le premier round, il avait complètement gazé, puis ensuite c'était très compliqué pour lui. Donc là, c'est vraisemblablement ce qui se profile, mais c'est vrai que Dana White n'a pas confirmé le prochain title shot à Francis, ce qui est assez surprenant parce que c'est vrai que bah, depuis ces trois combats, peut-être que Dana White s'est senti un peu, on va dire, lâché, parce que c'est vrai quand il était en mode c'est la Ford Escort et tout, il se disait bah, ça va être la prochaine star, et bah, Francis s'est quand même fait rouler dessus par Miocic, hein, enfin, faut dire ce qu'il est. Donc voilà, il s'est peut-être senti trahi. Ensuite, il y a eu le combat contre Derrick Lewis, donc forcément. C'est un peu compliqué pour Dana White. Depuis la Francis, c'est 3 KO de suite, comme l'a dit notre cher Rust, en moins d'une minute 30 en cumul 2 minutes pour. 30, tout, 2030, 2 pardon. minutes 30, ouais. 2 minutes 30 tout cumul, donc voilà. Donc c'est vrai que là, on se dit qui d'autre que lui pour le prochain title shot? Mais après, la question, c'est quand même, est-ce que Cormier va prendre sa retraite? Enfin, ça reste quand même un petit peu le bordel, cette catégorie-là, parce que tu as aussi John Jones. On se dit là, si John Jones bat Thiago Santos, donc cette semaine. Vous inquiétez pas, la preview arrive. Bah pareil, on va se dire qui est-ce qui va avoir comme potentiel adversaire, parce qu'il n'y a personne non plus en light heavyweight. Donc, compliqué, Bah, messieurs. moi je pense vraiment ça dépend des deux combats là qui viennent. Là, je pense pas que l'UFC ait des plans au long cours. Oui, Je complètement. pense que si Cormier bat Stipe Miocic et que John Jones bat Marietta là, Thiago C'est Santos. Et ben ça va être Thiago Santos, ça va être John Jones d'ici pour le titre des lourds. Là, je vous fiche mon billet que ce sera ça. Il nous fiche son billet. Et Ngannou Ouais. devra ronger son frein. C'est Mais terrible, c'est injuste. est-ce que Mais tu penses qu'ils resteront après? Parce que c'est toujours ça le. bah après comme a dit Ngannou, ils sont un peu en train d'exploiter cette piste. Ngannou n'est pas Oui. contre un combat contre John Jones Ah, mais en oui. poids lourd. Par Donc contre, John Jones, ça n'a pas l'air énormément favorable à cette possibilité-là. Mais personne sur cette planète n'a l'air très favorable Ouais. avec cette possibilité-là. Mais en revanche, c'est Exactement. vrai que dans tout ce marasme, quand même, il y a une chose qui est sûre, c'est que quoi que fasse l'UFC, et certes, ils ont peut-être des plans et pour Cormier, pour John Jones, selon ces différents scénarios, mais là, en poids lourd, ce qui est sûr dans tout ce bordel, c'est qu'il n'y a que Ngannou qui mérite le combat pour le titre. Ok, il y a de la politique, etc. Il y a peut-être des combats que ne veulent pas faire l'UFC pour ne pas faire prendre de risques à certaines de leurs stars. Mais en tant que contender dans la catégorie poids lourd, il n'y a personne d'autre Oui. que Ngannou là. Là, il a Personne. affronté tout le monde, il a battu tout le monde, à part Ouais, ce qui Lewis est et chiant. Miocic, voilà, Bah ouais. grosso modo. Ouais. Donc, c'est Un un combat peu peut-être tout ce contre qui reste. Lewis, une revanche, je sais pas. Ouais. Après, l'avantage, je trouve, enfin, pour l'UFC, je pense qu'à mon avis, c'est ça qui fait aussi énormément peser la balance en faveur de Francis, c'est comme il prend pas de dommages à chaque combat et qu'on a bien vu que l'UFC était en pénurie de main event, bah, l'avantage d'un mec comme Francis, c'est que tu sais qu'il est prêt n'importe quand. Donc, grosso Ouais. modo, pour eux, ça, c'est vraiment une bonne chose. Et si. Comme vous l'avez dit précédemment, bah, entre John Jones qui combat là le 5-6, le 7 juillet, plus Cormier qui combat en août, bah, tu sais que grosso modo, si tu as besoin d'un main event pour par exemple la carte d'octobre, non, octobre c'est booké? Non, octobre c'est toujours pas booké. Bah, le octobre qui n'est pas booké, bah, ça peut être intéressant. La carte du MSG peut être aussi intéressante. Enfin, tu as quand même pas mal d'opportunités en tout cas. Donc voilà. Et est-ce que les gars, donc là pour l'instant, on est d'accord que si c'est pas intéressant pour Francis. Pardon? Si Pardon? ce n'est pas pour le titre, il n'y a pas de combat intéressant pour Francis. Non. Bah, si, pour moi, à part peut-être Derrick Lewis. Voilà, c'est-à-dire que non, du point de vue de la carrière, non. Oui, Mais ah au oui. moins contre Derrick Laver l'affront, Lewis, ouais, c'est voilà, ça. si jamais il peut, ouais, voilà, exactement, laver l'affront
et mettre la correction que Lewis mérite. Non, ça, pas du tout. Hein. Non, non, en plus, pas du tout. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais. Après, c'est juste parce qu'il a perdu contre Lewis, parce que Lewis là, Oui. vient de perdre contre Oui. Junior Dos Santos. Donc Ouais, ça... non, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas, Après, il a perdu contre Lewis. Enfin, Lewis a moins perdu que Francis sur ce combat-là. D'accord, non, mais on se Oui, non, mais oui, comprend. On se complètement. comprend, évidemment. Mais c'est vrai que là où il en est, au stade où il en est, il n'y a personne d'autre Le titre. que le titre. C'est clair. Allez, bref, messieurs, on va pouvoir avancer après ce chaos de l'espace de notre ami Francis qui repart en plus avec le bonus 50 Ouais. heavy. Donc ça fait plaisir parce que c'est vrai que les dernières fois, il n'avait pas forcément eu, notamment lors de sa victoire contre Cain Velasquez, qui on se souvient tous, hein, c'est parce que justement il s'était blessé au genou, hein, c'était pas Francis. Ouais. J'ai mis l'uppercut. Bien, donc ce week-end, International Fight Week à Las Vegas, UFC 239. Ben voilà, donc une carte que assez sympathique, hein. C'est pas la plus lourde de l'année parce que pour l'instant 235 était quand même un petit peu supérieur, hein, on va pas se mentir. Donc on va commencer par les débuts du Crockhold en light heavyweight, donc le Crockhold qui arrive clairement pour prendre la ceinture, là il tire sur tout le monde, mais avant ça il faudrait qu'il arrive à battre, enfin à battre le terrifiant Jan Błachowicz, donc qui est quand même, enfin terrifiant, je dis ça pour me Non, moquer, mais qui est vraiment. quand même un solide contender. Hein. Bah, il reste là, c'est vrai que les gens le connaissent surtout là, ces derniers temps pour s'être pris un assez violent KO par Thiago Santos. Mais c'est un test directement pour lui Crockhold et ça montre clairement que l'UFC se disent, bah, s'il le bat là, bah, ensuite c'est top contender et puis ensuite route vers le titre. Donc intéressant, lui Crockhold directement mis dans le bain. On va voir enfin si toutes les limites qu'on connaissait avec son weight cutting impressionnant vont pouvoir enfin disparaître et qu'il va pouvoir s'offrir une seconde jeunesse. Alors, mon cher Ross, toi qui as beaucoup analysé ce combat-là. Bah, alors déjà, premièrement, il y a le fait que là, c'est de l'ordre de la superstition, mais j'ai vraiment, si on faisait un pourcentage, je suis persuadé que les gens qui l'ouvrent autant avant un combat et qui ont déjà des vues, on se souvient de Phil Davis, que John Jones, avant qu'il rencontre Anthony Johnson et tout ça, il y a quand même un historique, j'ai l'impression, assez important de gars qui ont tendance à comment dire, se gargariser avant même d'avoir combattu le mec qu'ils sont censés combattre en ayant des vues pour le titre. Et là, ça me fait peur pour ça, mais aussi parce que Błachowicz, il fait pas marrer du tout, mais vraiment pas du tout. Il est très bon lutteur, il est bon debout parce qu'il est très puissant. Au sol, c'est peut-être là où paradoxalement, j'aurais le moins peur pour Luke Rockhold, parce que Luke Rockhold, là, il faut le dire quand même, c'est un magicien au sol. Ouais. Bah, Mais. puis c'est au sol que comment Gustafsson avait battu Błachowicz dans un combat oubliable, hein, on va pas Oui, se très mentir. oubliable. Mais Oubliable, mais quand même intéressant parce que Błachowicz il avait montré qu'il n'était pas manchot debout quand même dans ce oui, combat. Hein. ouais. Ouais, en plus, mais c'est ça en fait. Et en plus de ça, bon, c'est pas le même style de combat. Gustafsson beaucoup plus porté sur l'anglaise et Rockhold sur les kicks. Mais il y avait quand même, ils aiment bien combattre tous les deux à distance et rester assez loin de leur cible en tournant autour et en étant mobile. Et là, ouais, j'ai très peur que Rockhold n'ait pas l'arsenal. Mais je sais pas pourquoi, mais là, c'est de l'ordre de l'instinct. On saura jamais parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand des combattants montent de catégorie. Il y a plusieurs exemples. Il y en a qui montrent que, ok, le mec a développé une puissance de ouf. Mais il y a aussi d'autres exemples où c'était pas aussi important que ce qu'on pensait que ça allait être. Et là, pour Rockhold, je sais pas, j'ai pas cette impression pour l'instant qu'il va vraiment faire aussi mal qu'il était capable de faire en middleweight. Donc très franchement, debout, j'aurais plus peur qu'autre chose, je pense, pour Rockhold. Et j'espère peut-être plus qu'il sera capable soit de pull guard, d'amener le mec au sol, Ouais. ou de réussir à lui plonger peut-être dans les jambes. Pourquoi pas un nouvel apport à son arsenal, un petit peu à la. Comment il s'appelle? Putain, le gars qui a battu BJ Penn. Oui. Guida? Non, tu sais, le gars qui lui a Oui. fait un Ah, Ryan Hall. Ryan Hall, Ryan Hall. Ryan Ryan Beefheaver. Et donc Hall. voilà, je sais pas, faut voir ce qu'il amène, mais Ouais. si je devais faire un pronostic, en tout cas, très franchement, je pense que je mets Błachowicz, je vais dire une décision de Błachowicz, parce que, à part si c'est au sol, je sais pas pourquoi, mais instinctivement, je vois pas Rockhold pouvoir vraiment menacer Błachowicz. Oh! C'est vrai que c'est un match-up qui est tricky quand même. Pour un premier combat en light heavyweight, ils lui font pas de cadeau. Hein, parce C'est clair. que parmi tous les gars qui sont en light heavyweight, il y en a beaucoup qui sont. C'est pas une des, on va dire, c'est pas une des catégories les plus compétitives qui soient. Hein, la catégorie light heavyweight, c'est le moins qu'on puisse dire. Et s'il avait fallu faire une entrée en douceur dans la catégorie, ils auraient pu le faire. Là, le fait qu'il catapulte directement Luke Rockhold contre Jan Błachowicz. C'est tricky parce que Jan Błachowicz est dangereux et c'est tricky parce que Jan Błachowicz il est pas très connu. Donc si tu perds contre Jan Błachowicz, on va dire t'as perdu contre qui? Contre
le personnage principal de Wolfenstein, quoi. C'est pas... c'est quoi ce délire, tu vois. Et en fait, c'est pas juste parce que Blachowicz, il est bon. C'est un bon combattant. Ouais. Il a de bonnes techniques. Il a une bonne anglaise fondamentale à l'européenne. C'est-à-dire jab, cross. En mode bloc de l'Est, quoi. Enfin, Mais voilà, c'est ça. Et rien de flamboyant. Tu vois le truc, tu fais bon, ok, c'est un peu chiant et tout. Mais ça marche. Ça marche. Et notamment contre Gustafsson, plusieurs fois, il l'a touché. Hein, ça, on peut pas savoir si ça peut éteindre au col ou si ça peut juste le troubler, mais qu'il arrivera quand même à installer son jeu. Donc c'est vrai qu'on a une inconnue. J'aurais tendance à penser que Rocall va gagner en résistance en montant à son poids, parce que je pense que c'était pas son poids naturel. Je pense qu'il se drainait vraiment pour y arriver. Mais tout de même, je pense pas que Rocall a trouvé des solutions à sa grosse faille en anglaise. Ouais. Et je pense que ça va être dangereux dans ce combat. D'autant plus qu'en striking, Rocall, il est très confortable quand c'est lui qui avance. Et que c'est lui qui peut dérouler son jeu de kick, tu vois, front kick, middle kick, et varier les niveaux et surprendre l'adversaire comme ça. Et dès qu'on lui rentre dedans, il n'est pas du tout confortable. Il a un peu de mal parce qu'il peut pas kicker quand il est sur le reculoir. Et en technique d'anglaise, à part son check hook, il n'a pas grand chose qui le protège véritablement. Donc effectivement, je pense que la solution pour lui, ça viendra du sol. C'est vraiment quelque chose qui peut le sauver. Et tu disais peut-être que c'est lui qui doit faire le takedown. Moi, je pense qu'il y a peut-être une chance que Blachowicz commette l'erreur de se cacher sur un takedown. Et là, Rocall est très bon dans les mouvements comme ça pour se récupérer, pour créer un peu de chaos. Les scrambles, exactement. Pour installer ensuite une soumission. Donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut se dérouler. Après, j'aurais tendance à te rejoindre, mon cher Rust. Je pense que c'est dur parce qu'en plus notre cher Rocall, ça fait un moment qu'il n'a pas combattu. Arriver comme ça contre un mec qui est bien installé dans la catégorie, qui a combattu des mecs puissants dans la catégorie, c'est pas le meilleur, mais c'est un client quand même sérieux, y a moyen qu'il se laisse déborder. Moi, je vois aussi une petite décision contre lui, un truc où il pourra exposer qu'il a certaines armes, et on va voir, à mon avis, des choses qui vont donner de certains espoirs, mais je pense que la marche est un peu trop haute là sur ce combat. Oh là là, tellement dur. Bah, moi, je vois une décision pour notre ami du Crocall, parce que franchement, c'est terrible. Hein, chaque fois qu'on en parle là, depuis qu'il a perdu son titre, c'est. Mais là, je pense que il va s'imposer par décision, il va y arriver, il va se servir de son sol à très, très bon escient, je pense. Parce que ça fait un moment quand même qu'on n'a pas vu, dans ce qu'il montre, hein, tu sais, il n'y a plus les vidéos des sales sparring ou des trucs comme ça, donc je pense qu'il s'est un petit peu plus discipliné et tout, et puis là je pense qu'il a eu le temps, ça lui a fait du bien aussi de se remettre un peu en question, parce que c'est vrai que ces derniers combats, c'était pas forcément ça, et notamment le dernier contre Yoel Romero, parce que c'était tout simplement terrible pour lui. En tout cas, j'espère vraiment qu'il va s'en sortir, parce que s'il perd ce combat-là, compliqué parce que là fera deux défaites de suite et il va nulle part s'il perd, exactement. Surtout qu'il a quoi, 35 piges maintenant? Peut-être 34-35. Donc bon, et puis j'espère aussi qu'il sera, je touche du bois, qu'il sera en bonne santé, parce que c'est aussi ce qu'ils expliquaient pour sa volonté de monter, c'est qu'à chaque fois son corps le lâchait entre tous ses problèmes de genoux et tout. Mais dans le fond, moi aussi j'espère qu'il gagne, parce que je pense qu'il a rencontré une compétition beaucoup plus élevée quand il était en middleweight. Oui, en fait, si le combat, pour être tout à fait honnête, si le combat contre Blachowicz se déroulait après plusieurs combats en light heavyweight, je serais très confiant pour Rocall. Parce que je pense que Rocall, il a fait face à une compétition qui était plus élevée que Blachowicz. Mais là, c'est juste le saut, en fait, le saut de palier. En plus, il sort d'une défaite par KO assez, assez monstrueuse. Donc, je trouve que les conditions sont pas favorables. Donc c'est pour ça que je donne... Il sort d'une défaite par KO, il sort de blessure, il y a un moment qu'il n'a pas combattu, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais je suis d'accord, en fait, j'aimerais beaucoup qu'il gagne aussi, juste parce que, quand même, il est tellement talentueux, cet enfoiré, c'est incroyable. Le voir combattre, c'est magnifique, c'est vraiment, il est tellement relax, il a tellement d'armes, il est tellement fluide dans ce qu'il fait, il est tellement bon au sol, debout, etc. Il apporte vraiment des choses que les gens n'ont pas aujourd'hui, enfin des armes que personne n'a pas, cette concaténation d'être hyper solide au sol, extrêmement dangereux debout, et d'être parfaitement fluide dans les transitions. C'est vrai qu'on n'en a pas des gens qui le font aussi bien. Donc j'espère qu'ils gagnent, mais ça va être tendu.
Allez, Luke, on est tous avec toi. Ensuite, combat hyper intéressant pour la catégorie welterweight entre Masvidal, Jorge Masvidal, qui a eh bien, enterré Darren Till, le héros de Rust, hein, comme vous le savez tous, et Ben Askren, qui a survécu à Robbie Lawler lors du premier combat qui était une véritable apocalypse hein, sur 2 minutes 30. Donc là, vraisemblablement, en gros, celui qui l'emporte aura le prochain title shot, puisque bah, y a Colby Covington, enfin ça jouera entre lui et le vainqueur de Colby Covington contre Robbie Lawler pour affronter Kamaru Usman. Moi je trouve que le combat est hyper intéressant en tout cas. Oui. Et ça fait plaisir pour Masvidal qui, bah, qui a une occasion enfin de pouvoir se mêler à la course au titre pour de bon. Après c'est vrai que Masvidal, ce qui est, on l'avait déjà dit, mais son historique, c'est quand même ça, c'est-à-dire qu'il est, il est extrêmement talentueux. Pareil, il est tellement bon en anglaise, il est super bon au sol, il s'entraîne à ATT, il est super solide en lutte aussi. Il est bon partout, il fait super mal. Là, je pense qu'il entre vraiment dans son pic athlétique et il entre vraiment dans le groove qui est un peu ce groove. C'est les dernières années, là, je pense. C'est les dernières années et pour moi, il entre un peu là dans cette espèce de période qu'a eu aussi Robbie Lawler quand il est revenu à l'UFC. Il trouve son rythme en fait. Il trouve le bon rythme de croisière. Il a eu parfaitement le combat qu'il lui fallait pour le relancer, même au niveau de son rapport avec les fans contre Darren Till. En plus, bah voilà, avec son truc qui s'est passé après contre Leon Edwards et tout ça. J'ai du mal à voir ce qui peut se passer dans ce combat, mais je me dis, putain, c'est quand même, au niveau match-up, c'est pas terrible quand même contre Ben Askren. Un mec qui est capable d'absorber beaucoup de dommages, une fois qu'il t'a chopé. Normalement, une fois qu'il t'a chopé Ben Askren, parce que ne vous laissez pas méprendre par le fait que Robbie Lawler lui ait fait faire trois fois le tourniquet, trois fois le tour de son slip avant de le faire tomber sur la tête. C'est pas aussi facile, normalement. Contre un mec comme Ben Askren, c'est pas aussi facile, hein, théoriquement. Et à moins d'avoir une puissance athlétique de ouf qui va avec la technique comme l'avait Robbie Lawler, je sais pas si c'est ce genre de défense de lutte qu'a Masvidal, et je ne pense pas. Et donc j'ai du mal à voir Masvidal réussir à mettre KO, même si ça c'est possible, hein, mais j'ai du mal à le voir mettre KO Ben Askren suffisamment rapidement pour l'empêcher de développer son jeu de lutte d'attrition complètement. J'ai du mal. Ouais, pareil, en fait, pareil, je suis content pour Masvidal qu'il laisse un peu on ne peut pas parler de sursaut parce qu'il a toujours eu une bonne carrière, mais qu'il soit un peu plus mis en avant. Mais ça fait un peu partie de ces gens-là, Masvidal, qui gagne un combat de manière exceptionnelle, donc tout le monde parle de lui, puis ensuite il va gagner un combat ric-rac, et on va quand même parler de lui, puis il va perdre un combat, puis on va l'oublier, puis il va regagner un combat exceptionnel. Ouais. C'est un peu ça sa carrière hein, quand même à Masvidal, parce que quand même il avait perdu contre Demian Maia juste avant, donc on peut pas parler vraiment de run, il n'y a pas de run, c'est juste qu'il gagne de manière tellement flamboyante quand il gagne, et que comme ça fait longtemps qu'il est là, qu'on a entendu son nom, on se dit « Ah oui, merde, en fait, Rory Masvidal, il est super bon quand même, et c'est vrai qu'il est super bon, mais il n'a pas la constance en fait. Et au-delà de ça, je pense que pour battre Ben Askren, non seulement il faut une takedown de défense de ouf, mais il ne faut pas que ça, il faut aussi beaucoup de déplacements. Feinter, je reviens toujours là-dessus, mais pour moi, le mec qui a battu Ben Askren, c'est Jay Heron. Et je vous invite à voir son combat, regardez-le, c'est très instructif. Alors je sais que je parle pour rien, parce que les gens ont la flemme, ils connaissent pas Jay Heron et ça les fait chier, et je les comprends quelque part. Mais c'est intéressant de voir ce qu'avait fait Jay Heron à ce moment-là contre Ben Askren. Et je pense pas que Masvidal a ce jeu-là. Masvidal, il est très bon en anglaise, il fait des feintes et tout, mais il a pas un jeu qui est très mobile. Il est assez statique, en fait, quand on regarde. Ouais, il a presque une stance de box tie, en fait. C'est ça, c'est ça. Il avance avec une garde haute, et il enferme, et il met la pression. Quand tu le fais reculer, bon, c'est dangereux parce qu'il a des mains qui sont assez rapides, mais il a pas ce savoir-faire, tu vois, de pivoter, de créer de l'espace. Et ça, à mon avis, c'est nécessaire quand tu combats un mec comme Ben Askren. De toute façon, quand tu combats un excellent grappleur, c'est nécessaire de savoir gérer ses distances. Et on a vu qu'il n'avait pas été vraiment capable de faire ça contre Demian Maia. Ouais, et Demian Maia est excellent. Il y a aucune honte à perdre contre Demian Maia, ça c'est certain. Mais Demian Maia est un moins bon lutteur que Ben Askren. Je pense qu'à mon avis, ce qui va se passer, c'est il n'a pas non plus l'explosivité que, enfin, toute proportion gardée, Ben Askren a. Donc c'est vrai que. Donc je pense qu'il y a moyen que Rory Masvidal touche plusieurs fois Ben Askren, c'est certain, parce que Ben Askren, il n'a pas une super défense de striking et il n'est pas excellent. Mais comme tu l'as dit, il encaisse bien.
Il n'a pas peur de prendre des coups aussi. C'est pas quelqu'un qui va, dès qu'il prend un coup, va dire oh merde, faut plus que j'avance. Ouais. Il va à la cogne. Hein, il s'en ça fait presque partie de son jeu en fait maintenant, d'encaisser 5 coups pour au moins toucher les cuisses et essayer de rentrer sur un takedown. Ah ouais. Mais exactement. Et là, c'est fini. Et ouais. Donc voilà, c'est en 3 rounds en plus. Ouais. Ouais. Parce qu'à la limite, je me disais, Ben Askren, moi, il y a un truc qui me fait peur depuis quelques temps parce que. Avant, il était réputé pour avoir une super condition physique et pouvoir maintenir une domination sur 5 rounds. Mais je ne sais pas s'il a encore cette capacité-là. J'en sais rien, en fait. J'en sais rien parce qu'on n'a pas eu l'exemple. Là, récemment, ouais. Sur ses derniers combats, ça n'a pas duré aussi longtemps qu'avant. Donc, peut-être que si ça avait été en 5 rounds, il y aurait moyen qu'il se fatigue et qu'il soit moins efficace sur les dernières rounds. Et là, peut-être que Jorge Masvidal aurait pu tirer son épingle du jeu. Ouais. Là, en 3 rounds, je pense que c'est toutes les étoiles sont un peu alignées pour que ce soit Ben Askren qui gagne, sauf évidemment chaos surprise de l'espace, mais moi je pense que. Et à mon avis, alors là, pareil, hein, je peux me tromper aussi évidemment, et peut-être que, mais je me dis, je pense aussi que non seulement on va que Ben Askren, c'est le moment pour lui de briller, de montrer toute la puissance de son arsenal, mais je pense aussi que du coup, on va voir Ben Askren. Faire du Ben Askren, c'est-à-dire faire tout ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière. Et je suis assez curieux de voir comment vont réagir les gens, parce que c'est une superstar maintenant Ben Askren depuis qu'il est arrivé à l'UFC. Complètement. L'UFC était tellement en manque d'une personnalité aussi flamboyante, avec vraiment beaucoup d'esprit, etc. Et quand les gens vont voir ce que fait Ben Askren, c'est-à-dire c'est un maître, c'est un demi-dieu dans l'art de mettre au sol, garder au sol et vraiment poncer, mais ce ne sera pas spectaculaire. C'est-à-dire que... Ça m'étonnerait qu'il arrive à trouver une soumission parce que quand même, Masvidal au sol. D'ailleurs, je crois même pas que Demian Maia ait réussi à le finir, si je me souviens non, bien. Non, c'était split décision. Ouais. Split décision, donc il réussira probablement pas à le finir par soumission ni par KO, parce que c'est quand même compliqué. Même s'il a mis quelques KO, quelques petits KO du coup, je pense qu'on va voir Ben Askren juste qui fait en gros modo, en anglais on dirait qu'il dry hump, qui fait du rien en fait. C'est-à-dire que il va le maintenir au sol, faire probablement des coups juste pour montrer que et marquer des points, mais il va probablement rien se passer. Et je suis assez curieux de voir comment les gens vont réagir à ça, si c'est ce qui se passe. We gon' see. Moi, je vois une décision unanime, Ben Askren, sans trop de difficultés. Ouais, pareil. Easy money. Et là, combat intéressant, ça y est, on commence à rentrer dans le dur, messieurs. Amanda Nunes, la GOAT du MMA féminin, qui affronte... notre cher Holly Holm qui grosso modo à chaque fois qu'elle perd celui qui a gagné un combat pour avoir un title shot, là ça y est, c'est un peu la dernière chance pour elle, parce que donc là pour la ceinture bantam avant la prochaine, ça va être intéressant. Peut-être pour moi la dernière, j'ai un peu peur parce que j'ai peur de voir un bis repetita de Holm Cyborg en fait. Cyborg, ouais. Ouais, ou en gros, enfin tu sais, grosso modo, tu vois, tu te dis à match, mais t'as un espèce de déficit de puissance qui fait que t'as beau avoir tout ce que tu veux, tout l'arsenal que tu veux, qu'on connaît chez Holly Holm, à un moment donné, c'est assez limité. Et là, j'ai un peu peur de ça. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce que ça fait partie des chocs du MMA féminin qu'on n'avait toujours pas eu. Donc voilà, enfin, les deux s'affrontent. Et après, la question se posera de dire pour Amanda Nunes, qui est-ce qu'elle affronte ensuite, hein, parce que ça va être compliqué. voilà, on fait des après une, après une après une si belle introduction non c'est sûr c'était un combat qui trottait dans la tête de pas mal de gens depuis un petit moment, bon, toute proportion gardée, parce que bon, c'est pas non plus le truc qui va déplacer les foules et tout, hein, mais c'est vrai que dans le combat dans cette catégorie, c'est un des derniers combats qui a un peu d'importance. Le truc, c'est que Amanda Nunes et Holly Holm ne sont pas du tout dans la même trajectoire, on va dire. Amanda Nunes, là, elle est en mode hégémonie. Ouais. Bon, vraiment, elle est bien installée, elle est dans son prime. Elle s'est améliorée de combat en combat. Elle tape dur, elle n'a pas de faille physique pour le moment. Donc, c'est difficile d'imaginer Holly Holm réussir à retourner la table et à surprendre tout le monde, parce que Holly Holm, de son côté, elle, pour le coup, c'est un peu plus je gagne, je perds. Ouais. Et c'est vrai que ce qui lui manque fondamentalement, c'est pas la technique, parce que d'un point de vue technique, je pense qu'en striking, c'est peut-être une des meilleures. Ouais. Technique pure, hein, j'entends. En déplacement, je considère qu'en bantamweight, c'est la meilleure. Elle a un très bon footwork, elle sait très bien gérer sa position dans l'octogone. Ouais. Et ça peut être très intéressant face à quelqu'un qui brawl
comme Amanda Nunes. Donc ça, c'est intéressant. Moi, j'ai envie de voir ce que va faire Amanda Nunes pour arriver à cadrer Holly Holm. Et peut-être qu'elle va se perdre et qu'elle va lui tourner autour et qu'elle va la chasser, la suivre et qu'elle va faire 45 fois le tour de l'octogone avant de réussir à toucher Holly Holm. C'est possible. Mais du coup, je suis curieux. Ça, c'est un truc qui m'intéresse. Pour le reste, c'est vrai qu'on a eu l'exemple du combat contre Cyborg où effectivement, Holly Holm arrivait en fait à se déplacer, arrivait même à placer ses premières techniques. Et en fait, Cyborg prenait le coup et enchaînait quand même derrière. Exactement. Et c'est vrai que c'est là où c'est la limite. On se dit, il y a un moment, si tu cognes pas, tu peux avoir toute la technique du monde, tu peux te déplacer très bien, tu peux avoir les beaux gestes. On est quand même dans un sport qui est pragmatique. Si tu mets pas ton adversaire KO, t'as perdu quelque part. Ah, parce qu'elle avait fait un bon combat contre Chris Cyborg. Hein. Ouais. Non, mais voilà, mais tu sentais la différence des impacts à chaque fois. Complètement. Et c'est vrai qu'en plus, Amanda Nunes, elle cogne super dur. Ouais. Donc. À voir, je pense que Holly Holm part pas favorite quand même du tout dans ce combat, ça c'est certain. Alors, Ross croit-il à l'upset ? J'y crois, ouais, mais très honnêtement, personnellement, je vois 50-50, enfin vraiment, parce que, en fait, certes, comment ne pas être d'accord avec le fait que, Amanda Nunes frappe quasiment comme une featherweight, hein, elle l'a prouvé contre Cyborg. Mais en revanche, est-ce qu'elle l'encaisse aussi bien qu'une featherweight ? C'est pas aussi sûr. Du coup, je me dis, de la même manière que je suis d'accord avec vous, forcément, si tu fais pas respecter ton striking, à un moment donné, la personne, elle aura beaucoup moins de doutes à avancer. Mais je pense qu'elle aura peut-être un peu plus de succès dans le respect qu'elle va inspirer à Amanda Nunes, Holly Holm. En plus, vous l'avez déjà dit, c'est une contre-attaquante face à Nunes, qui est une super offense. Attaquante. très franchement, je sais pas. Vraiment, je suis dans l'expectative totale parce que je pense qu'au niveau puissance, elle arrivera peut-être un peu plus à se faire respecter Holly Holm. Elle est très technique, donc c'est parfait. En fait, honnêtement, je pense que de toute façon, je pense que vous l'avez déjà dit, mais c'est le meilleur match-up possible de cette catégorie. Ce sera le plus intéressant. Striking au sol, lutte partout. Elles ont toutes les deux les armes qu'il faut où il faut. Donc voilà, j'attends de voir, je ne sais pas trop quoi en penser, mais ça va être beau. Ça va être beau. Comme Ross l'a dit, elles ont tout ce qu'il faut où il faut. Alors, attention quand même. Alors mon cher Ross, quel pronostic ? Moi, j'ai envie de voir l'ange blond remporter la victoire. Je mets Holly Holm. Par décision. Mais en fait, quitte à surprendre, je crois que je rejoins Rost sur cette question. C'est-à-dire, il y a mon âme d'enfant, en fait, quelque part. Holly Holm, je l'adore depuis le moment où elle a mis KO Ronda Rousey. Oui. Et elle avait fait un match-up. Elle avait fait le match parfait dans ce combat. Vraiment, c'est une des plus belles performances. Tout sportif confondu en MMA, tout combattant de MMA confondu, parce que elle a réussi à répondre parfaitement aux attributs de Ronda Rousey, attributs là où il faut et tout. Elle avait suivi un super game plan et c'était une masterclass. Moi, justement, pour ça, je peux jamais sous-estimer Holly Holm. Je peux jamais la mettre hors d'un combat. Même si on est d'accord, elle a connu des déconvenues, elle a des défauts, elle s'est fait battre par des personnes qui étaient meilleure qu'elle sur certains aspects du jeu, ça je le conçois tout à fait et je pense que effectivement là elle part pas favorite parce qu'elle est dans complètement une trajectoire différente et elle est contre quelqu'un qui est en pleine confiance. Mais justement moi je me dis peut-être que Nunes est trop confiante, comme Ronda Rousey était trop confiante et que du coup comme elle agresse beaucoup, elle brôle un peu Nunes, même si depuis quelques combats, elle a quand même un peu plus poli son game, ça c'est certain. Après, contre Chris Cyborg, c'était quand même un peu le bordel. Non, mais justement, en fait, moi, c'est ça qui a tendance à me pousser à croire que Holly Holm a ses chances, c'est que j'ai peur que Nunes, depuis qu'elle a foutu KO Cyborg, elle en peut plus, quoi. Ah oui. C'est-à-dire qu'en gros, ça y est, c'est la meilleure, quoi. C'est vrai que dans ses sorties, d'ailleurs, t'as raison, c'est ce qui. C'est ça, et je me dis, ça me fait penser. Furieusement quand même à Ronda Rousey qui était tombée amoureuse de son furieusement joueur. Et Joanna Jędrzejczyk avant de rencontrer Rose. Ouais, du coup là la comparaison est un peu moins pertinente parce que c'est pas Holly Holm qui a battu dans le sens où elle est extrêmement en confiance.
C'est ça. Oui, alors là, je suis d'accord. Du coup, alors, pronostic. Bah alors, je dis Holly Holm par décision. Quoique, c'est en 5 rounds. Ouais. Ouais, par TKO round 4. Allez. Holly Holm, ouais. Je vois bien un contre et Amanda Nunes. Bon, attends, le pronostic, il est complètement foireux. Là, je le dis d'entrée, c'est pas vraiment un vrai pronostic, c'est plutôt ce que j'ai envie de voir. Donc, qu'on se le dise, hein, qu'on soit clair. Mais c'est vrai que j'ai un petit instinct qui me dit que Holly Holm, il ne faut pas la sous-estimer dans ce combat-là. Moi, je dis Nunes, décision un peu bis repetita de Cyborg. Et je pense honnêtement qu'elle restera hyper disciplinaire. Parce que bah, de tout ce qu'elle a montré, je pense que là, c'est plus, entre guillemets, une stratégie de sa part. Enfin, on voit même l'UFC qui capitalise là-dessus, qui dit qu'il y a les deux gouttes sur la carte et tout. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, elle se dit bah faut aussi faire rentrer un petit peu le bif. Donc, je suis un peu obligé de dire, de mon côté, je suis la meilleure. Et puis, essayer de se dire, maintenant, quand il y a les événements... Par exemple, au Brésil, on va essayer de faire en sorte de vendre un petit peu plus que 2000 pay-per-view parce que bon, ça pue un peu à chaque fois. Non, mais en fait, Guillaume, c'est vraiment la voix de la raison. Hein. Nous, on s'excite, là, on s'emballe sur Guillaume. Non, mais c'est bien quand on fait comme ça parce que quand il y a le résultat, on dit voilà, on a fait les bons points. Non, mais moi, j'ai envie de croire. J'ai envie de croire, je fais de l'exorcisme. Là. Moi, alors, je vais vous dire même, là, on n'est plus dans le domaine du sportif. Moi, je crois à la marche de l'histoire. Il nous fait du Hegel là. Ouais, là, et je crois vraiment, mais parce que c'est quelque chose qui sort de moi, tel putain de alien. Mais je crois vraiment que de la même manière que effectivement il y a eu quand les gens sont trop en confiance, il faut que l'ange descende des cieux pour te ramener à la raison. Et dans la catégorie des femmes, cet ange qui te ramène à la raison, c'est Holly Holm. Descend de Jackson Wink. Et je crois. Et je crois vraiment que de la même manière que quand elle était trop en confiance, Ronda Rousey s'est fait calmer par Holly Holm. De la même manière que, bon, c'était les catégories en dessous, mais quand Johanna s'était trop en confiance, elle s'est elle aussi fait calmer par quelqu'un qui était extrêmement humble, qui était Rose Namajunas. Je pense qu'il y a des personnes qui sont là, sur cette planète, pour ça, qui pour remplir ce rôle de régulateur, de modérateur, j'ai envie de dire. et je pense vraiment, et là sans déconner, que la marche de l'histoire va nous montrer que... on ne peut pas être trop en confiance, il faut que quelqu'un nous ramène un peu sur terre. Holly Holm est là pour ça. Eh bien, on verra tout ça samedi. En tout cas, Holly Holm qui est en train de choquer la planète une deuxième fois. Maintenant, place au main event avec le GOAT Jonny Bone Jones qui affronte Thiago Santos. Alors, personnellement, moi, j'ai vraiment envie de voir une victoire. J'adore John Jones, mais j'ai envie de voir soit Thiago Santos qui le sonne ou soit une victoire par KO de Thiago Santos. Mais je pense qu'on va avoir un peu la même mayonnaise de John Jones de d'habitude. Il va le garder à distance premier, deuxième round. Troisième round, il ira pour le takedown. Et puis, pop, 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 on va laisser peser victoire par TKO Ground and Pound. Voilà. Mais pourquoi tu veux qu'il perde comme ça? J'ai envie, tu vois, qu'il y ait un petit peu de... Pas forcément perdre, mais tu vois, qu'il soit un petit peu mis en danger pour, faire en sorte que, tu vois, la catégorie, elle est un peu... Genre, par exemple, quand Anthony Smith a perdu, tout le monde, on louait tous son courage, mais enfin, louer le courage d'un mec, tu vois, enfin, pour moi, c'est... Enfin, tu t'es quand même fait rouler dessus. Alors que si t'as Thiago Santos qui arrive un peu à sonner John Jones, on se dira, ah tiens, un peu comme quand Gustafsson a perdu la première fois, tu dis, peut-être qu'on va suivre le prochain combat et cette catégorie n'est pas si merdique que ça. C'est un peu quand une meuf, elle dit de toi que t'es sympa, quoi. C'est que, quand on dit que t'as du courage, c'est un peu la qualité par défaut. Ouais, c'est le fan zone du combat, en fait. Avec la petite tape sur l'épaule, voilà. Il est bien brave. Voilà, il est bien brave. Donc voilà, j'espère que tu vois que les gens se diront, ok, il y a eu ce combat-là, c'était quand même assez intéressant. Enfin, qu'il n'y ait pas ce côté, t'as John Jones et le reste de la planète. Donc voilà. Après, moi, je vais vous dire, je crois à la marche de l'histoire. Et alors, blague à part, et je crois vraiment que ce n'est pas Thiago Santos, ce n'est pas son rôle. Non, bon, mais vraiment, blague à part, je crois vraiment pas. Je crois vraiment pas que ce sera Thiago Santos qui fera tomber John Jones. Et je pense qu'il va encore être en croisière. Samedi, c'est jour de croisière pour John Jones. Et quand c'est jour de croisière, on le laisse faire son truc. Et je pense que pour la personne qui détrônera John Jones, ce sera soit Cormier, soit Ngannou, mais j'ai beaucoup de mal. Non, mais vraiment, en fait, j'ai juste beaucoup de mal à voir Thiago Santos faire quoi que ce soit, en fait. OK, il est extrêmement puissant et il a prouvé qu'il pouvait mettre KO des light heavyweights. Mais la puissance, il sait la gérer, John Jones. Il sait la gérer, il est beaucoup trop malin, beaucoup trop intelligent et beaucoup trop crafty pour réussir à se faire avoir. Et d'autant plus qu'il y a eu à un moment donné cette espèce d'inconnu avec Anthony Johnson. On se demandait, putain, est-ce que c'est le seul à pouvoir faire tomber John Jones? Et on ne le sait toujours pas.
Mais j'ai tendance quand même à me dire que, ok, déjà premièrement, je ne pense pas que Thiago Santos soit aussi dangereux dans le sens aussi athlétique, aussi puissant et aussi rapide qu'Anthony Johnson. Et j'ai du mal à voir Thiago Santos réussir à avoir des setups suffisants pour vraiment arriver jusqu'à John Jones et le mettre en danger au sol et en lutte. Je pense que c'est même pas la peine d'y penser pour Thiago. Donc j'ai juste, en fait, j'ai juste du même logiquement et rationnellement, j'ai beaucoup de mal à voir Santos réussir quoi que ce soit contre John Jones. Après, j'espère que l'avantage, moi, le seul truc qui me fait un tout petit peu espérer, c'est ce que j'espère, tu vois, qu'il fera les mêmes combats que précédemment, dans le sens où, enfin, tu sais, avoir ce petit côté, le gars qui n'a finalement rien à perdre dans cette catégorie, qui là soit pas un petit peu, bah ok, c'est le title shot, ok, c'est International Fight Week, et du coup, qu'il soit complètement un recroquevillé par ça, et puis ensuite John Jones qui lui roule dessus. Tu vois. Mais bon. C'est fou quand même qu'on soit amené à se dire pour qu'un mec batte John Jones, faut qu'il y aille comme s'il n'avait plus rien à perdre et faut qu'il se jette dans le combat. D'habitude, on a plutôt tendance à dire ouais, faut qu'il utilise un bon game plan léché pour exploiter les failles du jeu et tout. Là, non, c'est vas-y, all-in, mon gars, peut-être que ça passera, tu vois. C'est tapis, quoi, direct. Non, je suis assez d'accord. Je pense quand même qu'il y a moyen que ce soit intéressant parce que sur les deux premiers rounds, oui. Voilà, tempérons quand même, parce que Thiago Santos, comme vous l'avez dit, il est extrêmement athlétique, il a beaucoup d'armes dans son arsenal, après je ne pense pas qu'il sache toutes les utiliser comme il faudrait, il y a des trucs qui sont impressionnants mais qui ne marchent jamais, par exemple il fait des coups de pied retournés mais il ne touche jamais, quoi. C'est comme Ricardo Lamas, mais c'est, tu vois, c'est, il ne touche jamais mais parfois tu n'as pas besoin de toucher, si tu vois le mec qui manque de t'arracher la tête avec un coup de pied retourné, tu te dis merde, il ne faut peut-être pas que j'avance quoi. Ouais. Et donc tu vois, il a tous ces trucs là qui fait qu'il brouille le jeu et qu'il peut installer un chaos. Et moi, ce que j'aime bien avec Thiago Santos, c'est qu'il crée le chaos. Dans la plupart de ses combats, il fait ça, ouais. Qu'il perde ou qu'il gagne, il y a toujours ce moment où tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, qu'est-ce qui est en train de se passer. Le mec se jette sur ses coups, il balance des trucs. Et moi, j'aime bien ça. Et j'ai envie de voir ça face à la voilà, rigueur, la exactement. Discipline. Qu'est-ce qui se passe quand une légion romaine fait face à une horde de Visigoths? Bon, l'histoire nous a montré que c'était plutôt la Légion romaine qui gagnait, mais quand même, c'est un peu ça l'idée. Et c'est vrai que sur les premiers chocs, il y a moyen qu'il se passe un truc. Il ouais. y a moyen que peut-être John Jones soit trop confiant ou un truc. Bon, après, c'est John Jones, quoi. Il a pas fait ce genre d'erreur. Ou alors, quand il les a faites, il a su tout de suite s'adapter derrière. Une des fois où il s'était fait toucher plusieurs fois au début, c'était contre Lyoto Machida. Mais dès le deuxième round, exactement. Il avait arrêté de faire les erreurs, il s'était ajusté et il a écrasé Machida, quoi. C'est ça qui est flippant. Un autre truc qui va dans le sens d'une victoire probable de John Jones, et là pour le coup c'est un autre devoir de Pauly Dobso pour les auditeurs, c'est petit devoir à la maison. Quand vous regardez les combats de John Jones, essayez de vous figurer un maître, comme s'il y avait un maître entre lui et son adversaire. Et vous remarquerez que, sauf quand John Jones le veut et qu'il reste en clinch, il arrive tout le temps à maintenir cette distance entre lui et son adversaire. Avec son footwork, il se déplace toujours de manière à ce que l'adversaire soit toujours un peu au-delà de sa propre portée. C'est-à-dire, et qu'il soit jamais vraiment en portée de frappe. Et c'est rare les moments où il se fait attraper. Je crois qu'un des rares moments où ceux qui arrivent à percer ça, c'est ceux qui font des mouvements latéraux. Rust, ça fait beaucoup de bruit. Ah merde! Putain, pardon. C'est ceux qui font des mouvements latéraux comme Gustafsson ou Lyoto Machida qui avaient réussi à trouver un instant la faille, ou Daniel Cormier qui acceptait de prendre quelques coups pour rentrer. Mais, ouais. Mais sinon, il arrive tout le temps à maintenir. Et son combat contre Anthony Smith, c'est un cas d'école hein, pour ça, hein, parce que vraiment, il est tout le temps au bout de sa portée, il est tout le temps en position de frappe, alors que la réciproque n'est pas exacte. Quoi. Ouais. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est vrai que Thiago Santos, même s'il est explosif, même s'il est rapide, on est d'accord, c'est pas quelqu'un qui brille par son sa compréhension des mouvements. Et avant de frapper, il faut être en position de frapper, en fait, c'est ça que je veux dire. Et le truc, c'est que John Jones, il maîtrise trop bien cet aspect-là du jeu. Donc, à moins que sur un moment de chaos, sur une espèce de chaîne d'attaque, comme il fait Thiago Santos, où il enchaîne coup de pied retourné, spinning bat fist et over right hand, et c'est vrai que c'est tellement inattendu que ça peut surprendre des gens parce qu'il balance quand même des droites de saloon en dépit du bon sens. Hein, on se croirait dans Lucky Luke, quoi. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Mais bon, je pense qu'en fait, il va y avoir un round et demi où ça va être dangereux, vraiment, pour John Jones. Et ensuite, je pense que John Jones, sauf s'il est vraiment sonné, s'il s'est pris un énorme coup et qu'il est
carrément dans les vapes et qui calcule plus rien, bah ensuite John Jones il va régler sa distance et ça va être comme tu disais, ça va être la croisière s'amuse quoi là pour le coup. Et après en plus de ça, je pense pas que Thiago Santos c'est un super cardio. Si ça va au 4e, 5e round, ça va être pénible pour Thiago Santos. Alors les pronostics, messieurs. Je dis soumission John Jones au 3e round, fin du 3e round. J'allais dire exactement la même chose. Ouais, TKO Grandon Pound, 3e round. Bon, bah voilà. Oh. Ah, tu vois un déferlement de haine de la fin. Ah oui, je vois, ouais, non, parce que comme il l'a un petit peu piqué en trash talk, tu vois, je pense qu'il va. Tu sais, il va vouloir écoute, non, il fallait respecter. Mais au-delà de ça, juste si je pouvais ajouter un dernier truc, c'est quelque part dommage que finalement les gens quelque part se disent il faut faire le kamikaze contre John Jones, parce que John Jones il a des failles et il y a des choses qu'on peut exploiter. Ouais. Je regardais sur le deuxième combat de Daniel Cormier contre John Jones, un truc que faisait Daniel Cormier dans son deuxième combat et qui a très bien marché et qu'il a arrêté de faire à partir du deuxième round parce qu'il a commencé à avoir du succès avec les points. Et il a lâché en fait cette technique-là. À mon sens, il n'aurait pas dû la lâcher. C'est qu'à chaque fois que John Jones faisait son oblique kick, à chaque fois, et ben au moment où John Jones récupérait sa jambe, parce qu'il lance sa jambe et il la remet, il tape de la jambe arrière et donc il replace sa jambe de frappe en jambe arrière. Donc il y a une espèce de petite seconde de latence. Et ben à ce moment-là, Cormier avançait et mettait un gros low kick bien puissant sur la jambe qui est la jambe avant de John Jones. Et physiquement, John Jones pouvait pas relever sa jambe ou esquiver parce qu'il il récupérait sa jambe d'oblique kick en fait. Et donc John Jones c'est quelqu'un qui n'a pas une super bonne défense contre les low kicks. Et je pense que par exemple Thiago Santos, s'il avait un bon game plan, si on lui disait maintenant il faut que tu bouges latéralement, il faut pas que tu restes statique, il faut pas que tu restes dans sa distance, il faut que tu essayes de l'amener vers toi, qu'il vienne te chasser toi, et qu'à chaque fois qu'il avance t'envoie des low kicks et tout, il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant à tirer. Il y a des failles comme ça que John Jones montre, mais que les gens n'exploitent pas parce qu'ils se disent trop. Non, mais de toute façon, ça ne va pas marcher, il va s'adapter. Ou alors, il faut vraiment que tu y ailles, il faut que tu le mettes KO. Il n'y a que ça contre lui. Et il n'y a pas que ça contre lui. C'est juste parce qu'il n'a pas perdu pour le moment. Le jour où John Jones perdra, les gens se diront « Ah mais oui, mais évidemment, ça, c'était une faiblesse flagrante de son jeu et tout. » Il faut juste qu'il y en ait un qui exploite ce truc-là. Et qui réponde à la question que pose John Jones. Exactement, exactement. Mais le truc, c'est que je ne pense pas que ce soit Thiago Santos. Je rejoins Ross, du coup. Je pense pas Enfin, c'est pas Ross qui dit ça, c'est les cieux. D'accord, c'est tout. Bien, on va prendre une question. Alors, est-ce que avant la question, fallait qu'on en parle. Parler du Cage Warriors, parce voilà. Que dans tous les bons coups, et même les plus sordides, mon cher Ross. Et même les plus sordides. Alors, déjà, il faut dire évidemment que les trois Français ont gagné au Cage Warrior. Il y a eu Samir Faidin qui a gagné la ceinture Flyweight, il y a eu Alex Lohor et il y a eu. Morgan Charrière. Morgan Charrière quand même. Et il y a surtout un truc qui s'est passé au Cage Warrior qui est quand même tellement rare qu'il faut le notifier. En plus, ça s'est passé dans le main event. C'est le fait que, donc le main event, c'était Nicolas Dalby, que Polydomso adore d'ailleurs, et comment s'appelle-t-il, Ross Houston, un truc comme ça. Ouais, exactement. Et en gros, ils ont eu un combat qui était sanglant parce que Ross Houston adore les coudes et que les deux ont réussi à se cutter absolument salement. Et au troisième round, à partir du deuxième et au troisième surtout, il y avait tellement de sang sur le sol qu'en fait, les mecs étaient sur la patinoire. Et à la fin, c'était comique, en fait. C'est un peu comme dans un dessin animé, tu sais, quand le mec se rend compte qu'il faut qu'il aille très vite à un endroit, il patine d'abord en l'air et après, il se met à courir. Et bien là, c'était exactement pareil. Le mec était, je crois que c'était Ross Houston, était à quatre pattes et essayait de se relever. Et littéralement, ses jambes faisaient comme ça et patinaient sur le sol. C'était impraticable. Et donc, un arbitre que j'adore d'ailleurs, Marc Goddard, a décidé, en fait, ça vaut même plus la peine parce qu'on va se blesser et ça va être dangereux. Ils ont arrêté le combat au troisième round. Ça a fait un no contest parce que trop de sang sur le sol. Extraordinaire. Et c'est à mettre en comparaison avec les arrêts du Glory pour des cuts absolument rikiki. Ouais, tu vois le deux poids deux mesures. Ouais, c'est clair. c'est pas le même sport, messieurs. C'est pas le même sport. Vrai. Alors, nos questions de la semaine de Dago 13190 sur Instagram. Question pour vous, les gars. Est-ce plus méritant d'être champ en montant d'une catégorie ou en descendant d'une catégorie? Est-ce plus quoi? Méritant d'être champ quand tu montes ou quand tu descends d'une catégorie?
Ben, personnellement, en fait, c'est pas évident parce que d'un côté, c'est Tout comme si. dépend de l'adversaire aussi, enfin. Bon, il y a l'adversaire, mais même si on devait, comme ça, à brûle-pourpoint, faire un peu un truc, c'est. C'est quand tu montes, Quand c'est quand tu montes, tu mais montes, tu as plus de panache, en fait, parce que le mec est plus gros, tu vas battre le exactement. Goliath de la catégorie au-dessus et c'est plus stylé. Alors, moi, j'ajouterais quand même quelque chose. Ça aussi, C'est c'était que stylé. c'est comme ça d'instinct, tu vas dire, c'est quand tu montes. Ça, c'est à mon avis, c'est ce qui se passerait si on était dans des conditions normales. Le truc, c'est que comme tout le monde cut, je Ouais, pense que exactement. c'est excessivement difficile de passer à la catégorie Ouais, c'est inférieure. plus dur, ouais. TJ Dillashaw l'a éprouvé. Voilà, Et en du plus. coup, je pense que c'est plus méritoire, là, dans les conditions actuelles à l'UFC, d'être champ en descendant d'une catégorie parce que il y a toutes les raisons de croire que tu n'es déjà pas dans ta catégorie naturelle. Donc en fait, tu Complètement. cuts déjà à mort pour être dans une catégorie qui n'est pas la tienne. Donc si tu arrives à descendre et à battre un mec qui cut déjà à mort, enfin, vous vous rendez compte du bordel. Donc en gros, à mon avis, c'est plus difficile, même si ça paraît moins impressionnant, parce qu'évidemment, tu ne montes pas mettre une raclée au gars qui est un peu plus grand, quoi. Et Mais d'ailleurs, pour l'instant, enfin, là, je viens personne de ne l'a faire fait. exactement, je viens de faire un rapide tour de propriétaire là, et tous les double champs, c'est ceux qui sont montés, ouais. Complètement. Et même ceux qui ne sont pas double champ, mais qui ont fait l'un puis l'autre, que ce soit Randy Couture ou BJ Penn, ouais. Non. Impressionnant. Voilà donc pour la réponse. Et question 2, vu que le sport va toujours plus haut, toujours plus loin, pensez-vous Toujours plus qu'un fort. jour on aura droit à un champ, champ, champ dans trois catégories? Bah compliqué, hein. Compliqué quand même. Je pense que Rockhold aurait pu, Prime Time Rockhold aurait peut-être pu. Attends, mais avec quel KT? Bah, je pense qu'il aurait pu faire. Ah oui, j'ai oublié qu'il y avait John Jones. Pardon. Oui, non, pardon. Autant pour moi. Autant pour moi. Non, bah, Cerrudo, ça peut sur un malentendu. Si Max Holloway part. Après, c'est pas impossible dans l'avenir à l'avenir S'il y a plus de qu'il y a catégories, plus oui, de exact. catégories que du coup Ouais. ce soit possible. Moi, je pense quand même qu'il y a Il y une a limite, tels on va écarts de dire, poids. il y a une limite structurelle en MMA que t'as pas en boxe. En boxe anglaise, tu peux avoir des mecs champions de 6 catégories et tout. D'ailleurs, ça ne veut plus rien dire, mais c'est possible parce qu'il n'y a que les points et que les déplacements. Bah, Là, le pour un problème, c'est Canelo que. qui va combattre en light heavyweight bientôt, là. Oh putain. Ouais. Mais le problème, c'est qu'en fait, en MMA, il y a quand même la limite, c'est qu'il y a la lutte, quoi. Ouais. Et du coup, même si tu es très très bon lutteur, par exemple, ça m'étonnerait que là, imaginons que Cerrudo arrive à. Tu vois, ça voudrait dire qu'il puisse battre, par exemple, on va dire, José Aldo. Est-ce qu'il arriverait à mettre au sol José Aldo, Cerrudo? Je suis pas sûr, hein. Je pense pas. Je pense qu'il y a des limites à un moment donné. Et les limites physiques se ressentent beaucoup plus dans ce sport parce que ça fait beaucoup plus appel à la force que, par exemple, la boxe anglaise, ça fait plus appel à la vitesse, à la synchronisation, à des stratégies. Bon, il y a le punch, évidemment, mais tu peux gagner complètement en outpointant un mec si tu es suffisamment habile. Là, il y a quand même des clinches qui sont fréquents, il y a des Complètement. saisies qui sont fréquentes et contre un mec qui est plus lourd et plus fort que toi. Ah, puis c'est pas du tout le même type de gabarit. Enfin, honnêtement, José Aldo, Henry Cerrudo, enfin, non, enfin, Ouais. physiquement, c'est très compliqué pour notre cher Henry. Mon cher Rust, alors, quelqu'un pourrait être un champ, champ, champ? Bah oui, enfin, il y en a un évidemment, c'est Georges Saint-Pierre. Après, ce qu'ils vont lui donner, je sais pas. Mais là, c'est le seul pour l'instant que je vois de qui a donc, Ouais, il les a déjà en complètement. poche, welterweight, middleweight. Ouais. Et vu son gabarit, effectivement, il pourrait faire lightweight. Et pour l'instant, c'est le seul que je vois. Parce que sinon, j'avoue que je vois personne, en fait. C'est tellement compliqué. Deux, ça se fait. Trois, c'est tellement compliqué. En plus, Et avec puis des c'est catégories en différent, dessous, Georges quoi. Saint-Pierre, parce que t'as le côté, t'es pas tenant des ceintures au même moment. Enfin, dans le sens, c'est plus simple la manière avec laquelle le fait Georges Saint-Pierre, parce que tu choisis tes match-ups pour revenir, donc c'est plus ou. Enfin, ça reste extrêmement compliqué, on est d'accord, hein, mais t'as pas ce côté, tu dois alterner entre les méga fights et puis bah, casser du contender. Après, Même. ça reste, c'est Ah oui, vrai, mais cela dit, ça en reste fait, immense. ça reste immense, d'autant plus immense que ce qu'il fait, je sais que c'est pas ce que tu es en train de dire, hein, mais c'est pas du tout aussi facile parce que c'est vrai que il prend plus de temps entre les combats, donc il prend le temps de monter en middleweight, il prend le temps et là, il prend vraiment le temps de bien se faire pour, là, on le voit en plus dans ses postes, il a l'air vraiment fin et tout, de descendre en lightweight, mais là où c'est extraordinaire, c'est que c'est tellement dur de combattre une fois par an ou une fois tous les 3 ans et de revenir au meilleur niveau que. Le faire comme il le fait là, de combattre depuis qu'il a fait Jon Hendricks, bah, il a attendu 4 ans avant de faire Bisping. Et là, s'il recombat, il aura attendu 1, 2, peut-être 3 ans. C'est juste qu'il est
exceptionnel et que lui est suffisamment intelligent pour réussir à bien s'entraîner et arriver comme il faut après 3 ans d'absence pour réussir à battre les meilleurs dans leur catégorie. Mais c'est rarissime. Et non, c'est extrêmement difficile. Après, en plus de ça, quand il dit champ, 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 c'est-à-dire que potentiellement tu défends les 3 titres. Ouais, et ouais. Là, déjà, là, t'as un truc qui est trop difficile, c'est faire le poids. Ouais. Si tu passes de, on va dire, middleweight à ensuite tu dois défendre lightweight, t'imagines l'écart, c'est monstrueux. Parce qu'après, il y a dans l'histoire des mecs qui ont battu des gars qui étaient beaucoup plus lourds qu'eux, qui étaient de catégorie au-dessus. Par exemple, Kid Yamamoto, il a battu Genki Sudo. Kid Yamamoto, c'est un flyweight, Genki Sudo, c'est un lightweight. Kazushi Sakuraba, il a combattu contre Igor Vovchanchin, qui était pas lourd, alors que Kazushi Sakuraba, c'était un welterweight. Donc c'est possible, éventuellement, avec le bon match-up, de faire jeux égales, voire même de gagner contre un mec qui est beaucoup plus lourd que toi, ça s'est déjà vu, mais réussir à battre des adversaires différents dans 3 catégories et toi-même t'adapter à ces 3 catégories, sachant que le jeu varie extrêmement d'une catégorie à l'autre, ouais. les heavyweight ne combattent pas du tout comme les middleweight, bah ça me paraît difficile. Ouais. Voilà. All right, boys. All right. See you soon, boys. See you soon. Soir.